Bonjour, moi c'est Solène, je suis coach chez les Cheer Vikings à Villeneuve-d'Ascq et nous allons vous présenter aujourd'hui une chorégraphie de niveau avancé avec l'aide de Chloé, Sophie, Corentine, Wendy et Apolline. Nous allons vous montrer la chorégraphie une première fois en entier et ensuite on la découpera en deux parties. 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va vous apprendre la première partie de la chorégraphie. On commence les pieds légèrement écartés, les mains et les bras le long du corps. Et on avance le talon droit, puis le talon gauche. Et on revient talon droit. Et on va glisser la jambe droite derrière. Ensuite, on va resserrer les pieds et on va sauter pour arriver en appui sur les talons. Jambes écartées, bassin levé. On resserre les pieds en faisant un petit saut, on pivote, on écarte les jambes, on va remonter le buste avec les bras derrière la tête, puis on rassemble les jambes en ramenant la jambe droite et le bras tendu devant. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la chorégraphie. 5, 6, 7, 8. On ouvre le pied droit, on claque les mains sur les cuisses. On ferme les poings à l'intérieur, puis à l'extérieur. On claque les mains au niveau de la poitrine. On va ouvrir la jambe droite vers l'arrière pour tourner. On monte les bras en V, on prépare le saut et on saute. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les filles de la première et de la deuxième ligne ne tournent pas de la même manière. En effet, les filles de la première ligne font une pirouette, c'est-à-dire qu'elles tournent sur un pied. Corentine et Chloé vont vous montrer. Tandis que les filles de la deuxième ligne font un tour sixième, c'est-à-dire les pieds serrés. Apolline, Sophie et Wendy vont vous montrer. Vous avez vu la chorégraphie décomposée, maintenant nous allons la revoir en entier. 5, 6, 7, 8. Maintenant, vous connaissez une chorégraphie de niveau avancé. Retrouvez-nous sur une autre vidéo pour apprendre à monter une pyramide.